Nous te bénissons, Seigneur Dieu, Maître infini de l'univers, Jéhovah Shabaoth, l'éternel le Dieu des armées, en qui nous avons tout le respect et l'obéissance. Merci pour cette grâce que tu nous accordes ce matin. En ce jour du vendredi 26 juin 2020, pour direct depuis Divo, afin de partager l'espoir de ta parole, utilise ma personne de bénir ton peuple au nom de Dieu que je prie. Amen. Amen. Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est depuis dimanche, j'étais chaud à l'église. Voilà, ceux qui ont suivi le culte de dimanche à Paris, c'était vraiment fort. Pour moi, je n'étais pas venu pour prêcher. Mais le Saint-Esprit s'est manifesté. Après que moi-même, j'ai senti qu'une force même est sortie de moi, c'est-à-dire, c'était vraiment fort. Voilà, c'était mon enfant, on a eu une vision de l'Esprit de Dieu sur le culte de ce dimanche-là, Paris. Voilà, tous les dimanches, nous avons une église, voilà, faisons des cultes à Paris, à Vitry, en banlieue parisienne, dans le 14e, en banlieue parisienne, des cultes. Franchement, ce dimanche, c'était vraiment puissant. Nous avons vu l'onction et tout ça, Dieu s'est manifesté. On a vu un général, il dit le général des sorciers. Il dit, moi je suis maréchal, donc j'ai petit. Amen. Voilà. Comment les sorciers mangent les gens depuis. C'était fort. Alors donc, je suis en train de parler au peuple africain. Voilà, notre tournée aura bel et bien lieu. Et l'Afrique est en train de se mobiliser face à l'événement de taille. C'est un événement de taille. Voilà, j'ai eu une tournée américaine dans les États-Unis d'Amérique, Maryland, New York, Atlanta, à Miami, j'étais dans beaucoup d'États. J'ai eu à faire des croisades ici en Europe, dans beaucoup de pays européens. À chaque temps, il y a une vision. Alors, Dieu nous a mis à cœur. Nous avons eu un mandat de Dieu qui est le Dieu Jéhovah Shabaoth. En hébreu, il dit l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Alors, nous avons eu un mandat toucher les pays. Heureusement que les pays sont très disposés pour recevoir cette croisade. Et tout le peuple africain est mobilisé derrière cette croisade. Dieu merci. Voilà. C'est pas tout que je veux maintenant déballer sur tout. Voilà, parce que il faut aussi préparer, il faut savoir être beaucoup réservé. Voilà. Donc, beaucoup d'enfants spirituels, beaucoup de diplomates, des ministres, les hommes d'État sont dédats. Dans ce qu'on entend des faits, les portes sont en train de s'ouvrir grandement. Amen. Et les choses sont en train de se préciser. L'organisation est en train de se mettre en place. Et le ministère de la compassion des âmes, en collaboration avec la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles, dont fait partie des docteurs, des chercheurs, n'est-ce pas, en criminologie, en sciences quantiques, des docteurs et chercheurs en médecine, des docteurs et chercheurs dans beaucoup de domaines, des hommes d'éducation et tout ça. C'est tout ça, des chercheurs, des grands cerveaux qui ont compris qu'aujourd'hui, il faut que l'Afrique s'élève. Il faut que l'Afrique émerge. Ils savent que c'est important. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Je ne sais pas combien de fois on va vous parler. Vous savez très bien. Et l'Afrique est aujourd'hui en retard. Je ne sais pas pauvre. Hein. Je suis pas d'accord avec l'expression pauvreté. Parce que nous avons tout. La pauvreté, c'est celui qui ne trouve même pas à manger. Or, nous, quand on veut manger, à qui qu'on mange hein? On veut manger l'okosukwe, hein, plus puis à bas, on trouve ça à manger. C'est-à-dire tout ce qu'on veut trouver à manger, on mange. On a tout. Encore, le sous-sol africain est un scandale géologique. Nous avons tout. Nous avons le pétrole, nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons phosphate, nous avons manganèse, nous avons, n'est-ce pas, tout, bauxite, nous avons tout. Vous comprenez? Tout. Et puis d'ailleurs, l'Afrique est le continent d'avenir. L'Afrique est le continent d'avenir. Tous les continents convoitent l'Afrique. Même les Chinois. Vous voyez les Chinois aujourd'hui là.
Nous sommes en France ici, sont en train de parler français pour attaquer les pays francophones africains. Vous voyez, sommet à Chine, Afrique. Il y a des sommets Russes, Afrique. Il y a des sommets France, Afrique. Pour vous dire, nous les Africains, nous ne devons pas nous sous-estimer. Et le problème, vous n'en voyez pas ça sur le plan politique. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent non, il faut que les gens. Non, le problème là, c'est nous-mêmes les Africains, avec notre chancellerie. Parce que les Africains, ils ont un pouvoir mystique. Or, le pouvoir mystique, l'Africain, il peut détourner un développement de son village. Par exemple, il y a des vidéos où le monsieur dit on a envoyé un dispensaire, et puis lui, il a détourné ça, il a chassé ça. Vous voyez? Et la sorcellerie peut aussi, tu peux être en France ici, et puis le vieux qui est zamblé à Wakefly, il peut venir te manger. Il s'en fout de ça. Voilà, j'ai conté une histoire où il a dit un frère, un monsieur, un guéré, de Giglo, son fils a fait 8 ans sans le voir. Et puis un matin, il est venu, Gilbert, son papa est venu, il est venu en France ici. Et il est venu vers 9h30, son fils était déjà parti au travail. Et puis son fils a rencontré sa belle, ça veut dire la femme de son frère, de son fils. Puisque le monsieur avait la photo, elle le voyait, elle l'emmerdait. Non, il faut qu'on parte en bon camp parce que j'ai envie de voir l'Afrique. Je veux voir l'Afrique. Lui, il a coupé avec tous les ponts. Il a sorcellerie, son papa est sorcier, il sait. Bon, il a payé ses études et parti. Oh, le vieux le voit partout. Il va au supermarché, le vieux le voit. Il se couche, le vieux le voit. Partout, le vieux le voit. Puis un matin, comme il ne venait pas, il n'a aucune nouvelle. Oh, le vieux connaît son adresse. Il est venu en France. À 9h30, il sort de la porte, il connaît l'adresse. Ah, elle court. Elle dit, oh, mon père. Elle a reconnu parce qu'elle connaît la photo. Il dit, je suis venu vous saluer, mais je retourne à 11h. Elle dit, mais tu es venu dans quel vol? C'est Air Giglo. Elle dit quel bon, il a Air Giglo. Le vieux est venu rapidement. Lui n'est pas là pour parler beaucoup. Non, comment vous logez? Enfin, les blancs, pas. Non, je ne suis pas venu loger, oui, merci. Parce que les blancs, ils n'ont pas trop en même temps. Non, je suis venu juste dire à Gilbert, il faut qu'il vienne me voir au village. Parce que s'il ne vient pas me voir au village, je vais revenir. Donc avant, là, il y a des photos où on fait comme ça le vent, puis ça sort. Voilà, donc c'est pas le téléphone selfie. Et donc le vieux, il prend la vieille, la femme blanche, c'est super, souris un peu, monsieur. Et donc le vieux, on connaissait avant les photos d'avant, là. Les vieux, là, quand ils attrapent des fleurs, au même moment, ils attrapent les arbres, le vieux, les jubés, a fait comme ça. Ça veut dire, toi qui regardes la photo, là, j'y vais. Avertissement. Ça y est, le vieux, il regarde la photo en faisant son doigt comme ça. Donc, elle a pris beaucoup de photos. Et le vieux, elle a servi la lumière. Le vieux a bien vu. À 11h, il est parti. Le vieux, le monsieur Gilbert est venu le soir. Il rentre le soir vers lui. Elle est contente. Il dit, mais quelle surprise! Chérie, quelle surprise! Ton père était là. Il a dit, mais. Donc, il a banalisé au départ. Quelle surprise! Ton père était là, tout ça. Elle dit, mais attends, t'es sérieux là? Attends, c'est sérieux ce que tu dis? Mais oui, ton père, mais c'est identique, vous ressemblez, c'est qu'il a des barres blanches et tout ça. Mais lui dit, non, mon père ne connaît pas Port-Boué. L'aéroport du vieux police il ne connaît pas. Il n'est jamais arrivé à Port-Boué. Elle dit, si, il est arrivé ici. Voici où il était assis. Il ne croit pas. Il ne croit même pas. Parce que le vieux, même là, il faut d'abord faire passeport pour aller à Abidjan. Il ne connaît même pas la sûreté. Donc, le vieux, il faut arriver pour prendre visa. C'est-à-dire, aller à l'ambassade, déposer. Tout ça, c'est long. Le vieux lui-même, là, il est bizarre. Il est air du globe, il est venu. Elle ne croit pas. OK. Il ne croit pas. Donc, du coup, elle dit la surprise. Il dit oui, il est assis. Quand elle a envoyé la photo là, il dit oui. C'est-à-dire qu'il a regardé la photo. Il a cherché à prendre billet d'avion pour venir au pays. Parce que le vieux, le doigt, le vieux a fait comme ça. Gilbert. C'est-à-dire que le doigt, le vieux fait comme ça. Le vieux, le jeune homme a compris que le vieux là, il a fini à elle. Donc il a pris les billets, ses deux enfants, ils sont allés. Le vieux a dit si tu ne venais pas. Hein?
mon deuxième retour sur toi, c'est pas bon. Il dit lui-même, il a compris. Non, il dit, il a compris. Il a compris que le gars, comment il dit, le gars lui dit, tu vas au supermarché, je te vois. Donc le gars dit, mais toi, tu penses que tu es caché. Tu caches, tu changes de numéro, moi. Et cette histoire, ce n'est pas de l'amusement. Ça dit, laisser à fin d'amusement. Ça dit, quand les gens, on parle et pense que c'est un jeu. Aujourd'hui, il y a Covid, il faut se protéger. Chacun a ses petits cache-nez. Ouais, exactement, on a les petits cache-nez. À cause de quelque chose qu'on dit, ça tue. Donc, on se protège. Mais la sorcellerie tue que Covid. Vous voyez? Amen. Amen. Parce que lui, il est là, son mec, il a envie de demander. Imagine. Quand la sorcellerie était ici, au Moyen-Âge, au 14e siècle, il y a eu 4, c'est-à-dire qu'on les prenait, on les brûlait au bûcher. Et le 18e siècle fut le siècle de lumière et la révolution industrielle. Ils ont tué, il n'y a pas que seulement que l'Europe, mais les Amériques ont attaqué la sorcellerie. Le problème, c'est, on dit, mais pourquoi lui parle de ça? Je parle de ça parce que ça existe. Encore deux, je parle de ça pour vous ouvrir les yeux, attirer votre attention, pour dire, il y a crime. Et des crimes spirituels. Donc les gens s'endeuillent des familles. C'est ça le problème. C'est-à-dire, chaque sorcier a envie de manger, on les appelle mangeurs d'art. Donc j'interpelle les gens. Ce n'est pas moi qui ai inventé, je n'ai pas écrit ça, j'ai trouvé ça, j'ai été moi-même victime. Heureusement que Dieu m'a oint. Heureusement que chaque époque, il y a des gens que Dieu oint. Et que chaque, comme je disais hier dans mon direct d'hier, quand vous regardez, lisez, allez-y lire, et j'ai acheté le livre qu'on appelle Héros de la foi. C'est un livre où chaque homme de Dieu a marqué l'Europe. Moi, j'aime beaucoup lire. Il y a beaucoup d'ouvrages. Tout le monde, on achète les livres, on lit. Parce qu'il faut beaucoup lire. Il faut lire et puis ça va te faire du bien. Donc, c'est des gens qui ont marqué l'Europe. Après avoir pratiqué la chasse aux sorcières, il y a eu un réveil spirituel dans toute l'Europe, dans les Amériques. Et leur loi a été basée dans le temps sur les principes de Dieu. C'est pour ça que Dieu les a bénis. Aujourd'hui, en Afrique, nos parents, leur principe, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire qu'ils adorent les rivières, ils adorent l'art, ils adorent tout ça. J'aurais dit, mais qu'est-ce que ça peut apporter à l'Afrique si les Africains eux-mêmes ne se détournent pas de ces arbres, arbres qu'on adore, ça t'apporte quoi? Rien. Tu adores les arbres. Depuis qu'on ne fait que tuer les moutons, les poulets, ça fait quoi? Non, affaire de Dieu, là, de Jésus, là, c'est une question de blanc. Bon, c'est pour les blancs, non? Ok. Ils sont développés, non? Oui. Non, pour nous, là, ça fait quoi? Rien. Mais pourquoi pour vous, vous ne pouvez pas choisir? Mais Jésus-Christ, ce n'est pas une question des blancs. Non, c'est une question. Jésus-Christ est au-delà de la religion. C'est une vie. Et ça, on le précise très bien. La personne dont les sorciers, les mystiques et le pouvoir des ténèbres ont peur, c'est la personne de Jésus. C'est tout. C'est tout. Le seul problème aujourd'hui que l'Afrique a, c'est de savoir détourner du véritable Dieu. Et d'adorer la création, c'est-à-dire la nature. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos, j'ai dit que nos parents, ils ne juraient que protection. Ils ne pensaient jamais à un problème de développement. Si aujourd'hui, on pense développement des Gagnoirs, développement des Baoulés, des Boakés, de tout. Si aujourd'hui, on parle de ça. Sinon, avant, ils parlaient de protection. Pour la protection, ils pouvaient aller vendre leur destinée, c'est-à-dire la chance, leur chance. Bon, je suis contrat avec toi, un esprit. Et puis, bon, tu nous protèges, mais si tu veux, il ne faut pas avoir mariage. Dans des familles, il n'y a pas de mariage. Les démons, vous voyez là, ils ne s'amusent pas. Les démons ne s'amusent pas. C'est pour ça que la sorcellerie est dans nos villages. Regardez nos femmes. Les vieilles vont, tout ça, les tantes, et puis elles reviennent, elles sont là. Dans le village, elles ont plein de goumets. Vous voyez, il y a trop de vieilles, des tantes qui sont au village. Elles sont allées se marier, mais elles sont revenues au village. Ça dit, elles n'ont plus de mari. À cause de leur bouche aussi, parce qu'elles parlent mal. Il y a ça aussi. Hein. Il y a ça aussi. Il y a les tantes, leur bouche là, c'est comme lance-roquette. C'est-à-dire, elles n'ont pas respecté les hommes. Il y a tout ça aussi. Voilà, elles n'ont pas respecté. Parce qu'une femme peut respecter un homme. Voilà. Donc, il y a beaucoup comme ça. Il y a des familles où les gens n'ont pas l'argent. On parle d'eux seulement, mais ils n'ont pas l'argent. La pauvreté. Et c'est tout ça, frère. En dessous de tout ça, il y a un pouvoir qu'on appelle la sorcellerie. Dans une famille,
S'il y a quatre ou cinq familles, s'il y a cinq familles dans un village, vous savez mieux que moi, pour ceux qui me suivent, qui sont des arabes, vous savez très bien, dans chaque famille, c'est un conflit, et c'est des cas, ils s'entendent. Vous pensez que les gens ne s'entendent pas, mais la nuit, ils s'entendent. S'ils ont tué un gendarme, l'autre vont tuer un policier, parce que c'est sa corps habillé. S'ils ont tué un instituteur, c'est comme ça. Donc, c'est ça, une torture humaine. Alors, est-ce que c'est moi qui ai inventé? Non, ça existe en français. Sorcellerie dédie, lanceur de sort. C'est tellement simple. Alors, si vous pensez que ça n'existe pas, pourquoi la langue Molière, pourquoi vous créez ça dans votre langue? Donnez un nom de quelque chose qui n'existe pas. Nous, ça existe chez nous. Nous croyons beaucoup à ça. Au pays bété, moi je suis bété et mélangé. Au pays bété, la sorcellerie Gougnon, conduit Gougnon a peur. Elle est, ça existe. Chez les Chinois, ils appellent ça Mouchon. Mouchon, ça dit sorcellerie. Onchon, le sorcier. Onchon, sorcellerie. Donc, eux-mêmes, là, ça existe en chinois. Ça existe dans tous les. Et ça, et dans votre. Vidage, Zarko, c'est comment on a vu la logique? Goum Gramelignon. Ça dit celui qui a la sorcellerie. Celui qui a. C'est l'homme qui a la sorcellerie. Ouais. Les doulas de Souba. Vous comprenez? Donc, dans chaque langue de la planète existe ce nom. Prenez ça au sérieux. Je peux penser que vous ne savez rien. Mais nous qui savons là, écoutez-nous. C'est parce qu'on entend des plaisantins. Et c'est une vérité. Sorcier tue. Sorcier gâte. Il détruit. Donc, sorcier, quoi, il égore, il tue, il détruit. C'est-à-dire qu'il vole, c'est-à-dire qu'il peut troquer ta chance. Tu peux être là comme ça, puis il peut te saluer à partir de ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on hallucine, ou bien on est bête, ou bien on imagine. C'est la vérité. Vous comprenez? C'est la vérité. Ce qu'on est en train de vous dire là, ce n'est pas de l'amusement. Voilà, ce n'est pas de l'amusement. Quand les gens ont compris, ils ont mené un combat farouche. Tu peux être là, et puis le sorcier. Tu vas à l'école, quand tu étudies, puis viens matin, tu as quatre mémoires. Hein? Peut-être c'est 2 gigas, ou peut-être c'est 34 gigas. Lui, il vient la NES, mais il est 2 gigas. Et puis les 32 gigas, là, ils mangent ça comme biscuit gaufrette. Et donc, il est ça. Ou bien il est là comme ça, puis il dit, ok, moi, je vends à faire des chèques. Je vends à faire des aides préfets. J'ai déjà vu ça. Et puis, j'ai un marché de troc, c'est-à-dire vous venez vous acheter ça. Vous achetez, et puis il dit, celui, dès qu'on le nomme préfet, c'est-à-dire que lui, il a son pouvoir. Dès qu'on dit, non, il m'a nommé préfet, il est mort. Non, ce n'était pas destiné à lui. Donc, dès qu'il devient préfet, là, il meurt. Vous voyez? Amen. Amen. C'est trop sérieux. Regardez l'Afrique. Les gens ont fait le même école que les Blancs, meilleur que eux. Vous comprenez? Même école. Mais eux, ils avancent. Et puis toi, tu n'avances pas. Oui. Vous avez fait la même école. Très bientôt, tu étais plus intelligent. Mais tu n'avances pas. Parce que le vieux, il ne te lâche pas. La vieille même, elle te voit toujours dans ton arrêt. La sorcellerie, c'est une science occulte. Ils ont la capacité d'appeler ton âme et de voir. Vous comprenez? Amen. Quand on parle de ça, ça dit, les gens disent, ah non, le prophète, mon frère, moi je m'en fous de ce que tu vas me dire. J'ai dit, j'arrive à vous, je veux mater, je m'en fous, si tu gâtes mon or, tu n'as pas gâté, je m'en fous de toi. Amen. Ça c'est un. Je m'en fous de ce que les gens disent, je suis arrivé à stade, je m'en fous, j'ai fait mon travail. Ça dit, comment les gens, nous on est sur le terrain, il ne faut plus que les gens mangent des gens, comment faire pour les aider. C'est ça notre combat aujourd'hui. Amen. Les fils de Beelzébuth, les enfants du diable, ça ne vous intéresse pas. Comme un continent qui est très riche, on dit on est pauvre. On est pauvre comment? On est pauvre comment? On dit on est endetté. Mais on doit qui? Ils disent combien on doit? Bon, je ne vous en mets pas sur le côté politique. Parce que la politique, ce n'est pas ça mon problème. Mais le problème de l'Afrique, c'est plus spirituel. Alors, je me pose la question, est-ce que les hommes de Dieu
vous êtes de la même manière que moi l'Afrique. C'est, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Est-ce qu'on voit de la même manière que l'Afrique? Parce que quand on travaille là, on a un objectif atteint. On va d'un point A pour atteindre un point Z ou B du cas Z. Quel est le travail qu'on fait? Non, Jésus revient. Bon, Jésus revient, tout le monde sait. Mais en tant qu'Africain, qu'est-ce qu'on pense de l'avenir de l'Afrique? Alors, qu'est-ce qui cause le retard africain? C'est la question qu'on peut se poser, mais c'est la sorcellerie. C'est les ténèbres. Aujourd'hui, si les gens ne veulent plus rentrer au village, mais ils savent, les gens, ils savent. Je suis allé dans un village où quand les gens allaient, c'est à cause de moi aujourd'hui que les gens vont en montagne à Zaroko. Oui, c'est pas faux. C'est vrai. Hey, j'ai fait ma tâche là-bas. Je ne m'amuse pas avec eux. Non, moi je les ai matés. Ça dit, ils ne m'amusent pas à la zone. Dans un village, ils ont bloqué dispensaire. Je suis prophète pour la zone, il y a eu dispensaire. Il n'y avait pas l'eau potable, vous buvez l'eau de Marigot en 2021, en 21e siècle. Vous voyez comme un village, Dieu de Marigot. Mais attends, je vais prier jusqu'à celui qui avait bloqué l'eau. Comment les gens sont un peu bêtes? C'est-à-dire l'eau qui doit donner la santé. Dans un village, s'il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de santé. Parce que toute la maladie provient de l'eau. Vous regardez quoi là? Non, c'est un enfant qui fait du bruit, il vient la sortie. Oui, mais tout le monde, regardez-moi. Oui, papa, elle est déjà sortie. Mais regardez-moi. Vous regardez-moi en train de vous parler de l'Afrique. Et puis il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, l'expérience de la Côte d'Ivoire. Regardez partout en Afrique. Tous les gens sont en retard. Et puis à un moment donné, on vous flappe une maladie. Par exemple, un monsieur qui disait que non, que on le loue pour venir donner une maladie. On te donne, tu donnes le cancer. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas guérir. Comment tu as eu tout leur réflexe, tout leur pensée, comment détruire? Mm-hmm. Tout leur force. C'est quoi ça? Souvent, il me pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, qu'est-ce qu'ils ont en réalité? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est-à-dire, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont en réalité? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne passent que leur temps, n'est-ce pas? Ils ne passent que tout leur temps à vouloir détruire. Tu es là, hein, ton mariage. Et ils disent que dans les ils mettent pas là. D'abord, ouais, quelqu'un qui dit, bien dépouiller les pas doux. Vous voyez, c'est pas des montages. Hein. Attends. Je vous montre une partie là. Elle est comme il a pire. Et regardez. Il dit, c'est puis c'est Marie. C'est fils et Marie pas parce que c'est lui qui les a bloqués, il faut comment se marier. Voilà. Vous comprenez? Quatorze personnes qui l'a tué. Voici des gens, n'est-ce pas? Voici des gens qui passent leur temps à tuer. Et quand on parle, les gens ils pensent qu'on est en train de s'amuser ou on s'amuse à le sujet. Non, le sujet il est trop sérieux.
Les gars, il est sérieux. Il est trop sérieux. Ce n'est pas de l'amusement, on n'a pas en temps de plaisanter. Il t'a donné son souvenir. Voyez à vous. Moi, j'aime la vie. Vraiment, quand il y a des coups de tirer. Je vais vous montrer, il a dit. Je suis le la fille de Moubi, c'est les voir les moches. Je lance, et comme ça, il va partir. Qui est-ce? Tu n'as pas encore demandé après nous. Tu vois, il a fait quoi? Je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'il a fait au village? Oui, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital. C'est la fête de l'hôpital. C'est aussi la fête de l'hôpital. Tu as fait quoi? Écoutez. Le projet n'a pas écouté. L'hôpital, on doit construire là. Lui, en sorcellerie, il bloque ça déjà. Alors le chef dit, on a envoyé le projet, on était tous, on a envoyé le sable. Comment toi tu as fait? Comment tu as fait? Il dit, c'est le projet de construction. C'est ça qu'il a pris. C'est comment il a pris. Parce qu'à mon époque, tu es brillant. Il dit, c'est la société là. C'est ça qu'il a fait. Le vieux dit, le chef dit, quand on a dit le projet là, hein, on était tous contents. Moi-même, j'ai envoyé boisson, vous avez bu ma bouteille. C'est-à-dire, ah, non, santé, Dieu merci, vous avez bu. Hein? Donc, toi, tu as bu ma boisson, et puis, écoutez le Dieu, le chef. C'est comment? Parce que tu as bu la boisson de sang, on est content. Quand la préfète, l'État dit, on a envoyé, je vous ai appelé, vous êtes même notable, vous comprenez? Et puis, j'ai dit, bon, buvons, on est content. Non, c'est toi, hein? Il dit oui. Quand il buvait, là. Et ça, là, j'ai chassé. Vous voyez, leur mentalité, vous voyez, bah, c'est ça. Ça veut dire qu'ils sont avec toi depuis un matin, pendant que tu penses qu'ils sont... Donc, la sorcellerie même, là, c'est l'art d'hypocrisie. Ça veut dire que le sorcier, il est hypocrite. Il est avec toi. Il fait semblant d'être toi. Mais, il travaille en sourdine. Ça veut dire en bas pour te détruire. Et le vrai sorcier, c'est celui qui a mis avec tes ennemis. Amen. Là, il y a un sorcier. Amen. Amen. Ça dit quoi? Quelqu'un dit qu'il ne t'aime pas. Parce qu'il y a des ennemis jurés et puis il y a des ennemis rapprochés. Il y a des gens qui sont ennemis, hein, mais qui se rapprochent de toi. Ils veulent tout savoir de toi. C'est pour ça qu'il y a des questions de répondre jamais aux gens. Amen. Parce que le diable, il a la recherche des informations. Allons-y dans Exrad. Prenez Exrad. Je vais poursuivre ça. Prenez Exrad. Je vous en donne les secrets. Ça dit quand quelqu'un, il est. Je vais vous partager à tout le monde. Vous comprenez? Parce que quand quelqu'un t'aime, là, celui qui parle mal de toi ne va jamais l'aimer. Mais s'il marche avec celui qui parle mal de toi, ça veut dire que vous avez un point commun. Quand il se retrouve là, c'est de toi qu'il parle. Mm-hmm. Il va te dire non, c'est toi qui ne parles pas avec lui. Et sinon, moi, je parle avec lui. Bon, on ne parle pas de toi. Vous parlez de moi. Il parle de toi, il ment. Non, hein? Moi. Moi, c'est mon camarade, c'est ma camarade. C'est toi qui en parles avec nous, mais quand on se retrouve, il parle de toi. Voilà. Donc, arrêtez de rencontrer des choses. Les sorciers, c'est des vrais menteurs. Il ne t'aime pas, il faut semblant d'être là. Mais il fait semblant et c'est lui qui te détruit demain. C'est ça. Faites attention. Et puis, la plupart des gens, même, la gens. Qui sont autour de vous là. Malheureusement, c'est les gens qui vous avez aidé là. Ce sont la plupart, ce sont ceux qui deviennent vos sorciers. C'est pas vrai. Judas là, il n'était pas loin. Il était près de tout de Jésus. Exode, prenez Exode chapitre 4. Je vais vous lire un peu les choses.
Je suis en train de vous ouvrir les yeux. Faites attention. Il y a des gens qui ne font rien. Eux, ils veulent forcément que vous ouvrez une porte. Ça dit que non, non. Moi, il y a des gens, papa, tu sais. Et puis, un matin, ils m'ont montré qui a mis sucre dans l'aubergine. L'aubergine est devenue sucrée. Faites attention, gens. La plupart des gens qui s'approchent de vous, qui... parce que le sorcier va tout faire, il va s'humilier, il va être gentil. Et puis toi, tu lui ouvres ton cœur. Et puis, il foudra là-bas, gourmet de ça. Ezra, le chapitre 4. Non, exact. Je vous lis ça, exact. Faites attention aux gens qui vous approchent. C'est là que moi, il fait très attention. Et moi, il ne pourra pas aux gens à 100%. Maintenant, avant, je pensais que tout le monde était comme moi. Maintenant, je te regarde jusqu'à. Et puis, je te dis, ah, ça va? Il y a qu'à prier pour toi. Oui, papa, ok. Il vient te scanner d'abord. Mm-hmm. Voyez, c'est comme ça, parce que le diable, il vient en espionnage. Ouais. Le diable, vous voyez. Mm. Je vous lis, un peu la parole. Lisez la parole d'Ezra. Ezra, le chapitre 4, à partir du premier verset. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les fils, les ennemis. Reprends ça. Esdras, le chapitre 4, à partir du premier verset. Les ennemis de Juda. Les ennemis de Juda. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et de Benjamin. Et de Benjamin. Appris que. Ils ont appris que. Les fils de la captivité. La captivité, en captivité, on les avait envoyés dans un autre pays, le peuple d'Israël, ils sont restés pendant 70 ans. Et après les 70 ans, ils ont compris que là où ils étaient, il fallait bâtir un temple à Dieu pour se reconnecter spirituellement. Maintenant, leurs ennemis cherchaient à avoir des informations. Ils ont eu l'information que... voici l'information, parce que les diables travaillent avec les informations. Amen. Il vint auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dit, nous bâtirons avec vous. Il dit, non, on va venir. De toute façon, vous allez bâtir la maison de Dieu là. Nous, on est prêts pour vous. Hein. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont dit, non, je suis dans votre affaire de brigade, d'anti, tant. Je suis dedans, je me reconnais dedans. Non, faites attention. Mm-hmm. Moi, je me suis fait avoir déjà. Mais après, j'ai compris le passage. J'ai compris. Ils sont venus dire non, on se reconnaît dans vos histoires où vous voulez bâtir la maison de Dieu. Nous, on vient bâtir avec vous. Car comme vous... S'il te plaît. Okay, je suis content parce qu'il y a eu ton fiancé, il est beau. Hein? Le monsieur qui a eu sur Facebook, là, c'est qui? Parce que ses yeux sont là, il a les yeux dormants. Hein? C'est l'enfant d'Aïcha qu'on est au bien. Tes yeux sont dormants. Quelqu'un te pose trop là. Il vient dans ton inbox. Ça va? Tu as posté une photo là. C'est ta voiture ça? Mon frère, tu as quel problème ça? Mm-hmm. J'ai posté une photo. Tu as fait pour toi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pour toi là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont. Il y a grande sorcellerie aujourd'hui, c'est pratique. Sur Facebook. Il y a des gens qui vous aiment pas. Hein? Mais c'est notre du toujours qui vient commenter. Il est vrai sorcier. C'est-à-dire qu'il ne t'aime pas. Mais tu fais quoi? Lui, le monsieur, il ne va pas sur ton mur. Ça ne l'intéresse pas. Mais toi, la sorcellerie, là. Si Facebook met la sorcellerie, c'est-à-dire, ça va? J'ai vu une fille, tu as vu, vous êtes ensemble, là. Elle est belle, hein? C'est ta fiancée. Bon, attends. Ton problème, c'est quoi? J'ai vu que tu étais le monsieur, là. Vous êtes en train de parler de quoi? Il y a des tantes même au village, ça dit, elles ont vu grandir. C'est elle toujours erronée. Qu'est-ce qu'il devient? Il a fait combien d'enfants? Ton problème, c'est quoi? Sa femme, elle a nié, ou elle est bêtée. Vous pouvez être nié, elle est bêtée. Ton problème, c'est quoi? C'est-à-dire, il veut toujours avoir une information sur vous. Et puis, vous dites non. Et on est toi, menteur, sorcier, souvala. Il ment. Donc, vous, ils vont vous gagner sur le terrain de dire, on est toi, il peut même financer. Il peut même une félicitation. Dans félicitation,
ce qui va te montrer. Donc, ils ont appris, les ennemis, ils ont appris que Israël était en train de bâtir un temple à l'Éternel. Ils ont dit, nous, on avait ton vieux bâtir. Regardez ce que les gens ont répondu. Nous bâtirons avec vous. Et nous bâtirons avec vous. Car, comme vous, nous évoquons votre Dieu. Menteur, sorcier, depuis quand vous évoquez votre Dieu? Ils ont dit, non, on est avec vous. On est avec vous. Donc, faites attention, les gens. Vous avez commencé quelque chose, mettez-vous et évitez de mélanger les gens dans votre vision. Amen. Amen. Évitez ça. Il dit, non, nous, on veut prier avec vous. On veut, on reconnaît que votre Dieu. Depuis quand? Regardez la réponse d'Israël. Regardez. Et depuis le. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps de Zaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu nous d'Israël. Allez là-bas. C'est pas nous, c'est nous. Et ne mélangez pas n'importe qui dans votre vision. Amen. Ne mélangez pas n'importe qui dans votre vision. N'amenez pas n'importe qui dans votre manière de voir les choses. Non, c'est mon cousin. Non, c'est l'enfant de ma nièce. Je vous prie. Je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit là. Mais un moment donné là. Ayez le discernement. Amen. Ils ont venu dire non, on est prêts. On est prêt, on a appris. On a appris, donc on veut s'investir. Ils ont dit doucement. Non, c'est mélange pas vous. Ne mélangez pas tout le monde à votre vision. Là, j'ai compris aujourd'hui. Aujourd'hui, là, vous savez, quand quelque chose n'a jamais arrivé, tu n'es pas prudent. Amen. Il y a un gars, ce qu'on appelle Joseph, il a été détesté par sa famille. Je n'ai jamais vu une sorcellerie comme pour Joseph. C'est-à-dire, ta famille te déteste jusqu'à tes parents, de même sang, ils te vendent. C'est-à-dire, on te regarde, on te voit comme on va un mouton et poulet. Ouais. Ils ont venu dire non, oh, on est avec vous. Et ils disent non, hein. Quittez dans notre affaire là. C'est pour nous, c'est notre affaire. C'est pas pour vous. Hein. C'est pour ça qu'ils ne vous mélangez pas n'importe qui. Voilà. Il y a des gens qui m'ont aidé. Aujourd'hui, il dit que les pasteurs, il y a des gens qui ont aidé. C'est eux aujourd'hui qui disent non. Vous voyez, c'est pour ça que dans la vision, on envoie n'importe qui. Aujourd'hui, là, vous, chacun doit comprendre. Dans ton entreprise, dans ton business, dans ton foyer, il faut faire attention à la personne qui pense que c'est elle qui doit t'aider. Non. Merci, papa. Non. C'est les gens qui, avec qui vous vous associez là. C'est eux qui vous tuent demain. Je vois mes deux frères, mes enfants des aéroports. Ils sont allés, ils ont associé quelqu'un avec une affaire de millions. Lui, il a bloqué ça. Ok. C'est les chiffres seulement que vous regardez, mais la tête est bloquée. Et ça vous donne migraine. C'est pour ça que votre affaire, toi ton cœur est bon, mais le cœur de l'autre, il n'est pas bon. Ce n'est pas tout le monde. Amen. Nous, on vous dit business, vous voulez, non, comme celui qui nous a donné le terrain, il faut qu'on mette son nom. Il vous a montré la route de Dieu. Non, vraiment. Il vous a montré la route de Dieu. C'est lui-même non, qui passe derrière lui, bloque la banque, vous dit non, ne les payez pas, hein, c'est des petits délinquants. Faites attention aux gens que vous fréquentez. Quand quelqu'un est prêt pour toi, il ne se dit pas, il pose les actes. Ça dit, ça ne se dit pas. Ça dit, quelqu'un qui est prêt pour toi, il ne demande même pas. Tu le vois dans ce qu'il fait. Hein? Tu m'aimes comment? L'amour sans les œuvres, mon frère, quelqu'un qui t'aime, là, il ne va jamais être déçu de toi. Quelqu'un qui t'a vraiment aimé, il va t'accepter avec tes qualités et tes défauts. C'est comme ça. Mais Jésus, là, Jésus, là, Jésus a dit, Dieu a aimé le monde. Vous voyez Dieu là, il est malade.
C'est tous les balaitiseurs qui prennent, c'est les balais, ceux qui voient les balais, ceux qui cherchent femmes, ceux qui tuent. Jésus n'est pas venu pour les saints, il est venu pour les pécheurs. Il a aimé le monde. Quand il aimait là, il nous a accepté tel que nous sommes. Souvent on pêche, on dit Seigneur, et puis nous pardonne. Combien? Amen. Quelque chose sur toi qui t'aime plus, qui t'a jamais aimé. Quelqu'un qui vient dit non, j'ai appris que. Quelqu'un qui dit. C'est ton sorcier qui est là. C'est-à-dire quelqu'un qui t'aime, il y a une raison. C'est lui qui est venu. Il y a des petits détails. Quelqu'un même qui t'aime, qui documente tes défauts, il prie pour toi. Faites attention à ceux qui s'approchent de vous. Amen. C'est ce que je leur dis. Voilà. Parce que c'est comme ça la société travaille. Tant il la connaît même pas, non, même. Non, il m'aime trop. Il m'a fait des cadeaux. Et cadeau là, c'est cadeau empoisonné. Il cherche ouverture. Il peut la frapper. Non, c'est-à-dire que si on ne l'associe pas, ce n'est pas gentil. Et vous avez fait ça. Vous les deux, les gars des aéroports là. Guy Bureau là. Il a pas, vous avez monté Guy Bureau. Vous, on passe par là, Guy Bureau. Il y a des choses, il y a des choses. Ça dit la vie, la meilleure école. C'est l'expérience de vie. Et nous, les Noirs, même si pour nous, les Noirs, il n'y a pas que les Noirs, même les Blancs sont dedans. Mais l'homme même est ennemi de l'homme. Donc, l'homme même qui vient, il vient pour deux choses. Ou il vient t'aider, ou il vient profiter de toi. Amen. Ou il devient ton ennemi. C'est trois choses. Pour un profit. Ceux qui viennent pour les profits, là, c'est ceux qui quittent vite, vite, quand il y a un problème, ça va vite. Et ils ne vivent pas dans le mauvais rêve. Ils sont pas là, non, ils ne sont pas là dans le problème. J'avais dit, ok, lui, il n'allait pas arriver loin. Mais tu faisais quoi là? Tu faisais quoi là? Vous comprenez? Faites attention, la sorcellerie, là, c'est là, ouais, là. De manipulation, de groupadage. C'est-à-dire, le diable, il aime bien, il est rusé. La nuisance, c'est-à-dire, là, des nuisances. Il peut même, c'est-à-dire, qu'il peut marcher sur lui, même prendre tes pieds et essuyer sur son corps. Il est là, papa, papa, papa. Hein? C'est lui qui va prendre couteau pour poignarder. Faites attention. Vous comprenez? Amen. C'est ça que quand il regarde, quand quelqu'un est sorcier, c'est rapide. Il va, lui, il n'est plus, il ne va pas dans le sens de ta vision. Il est né sorcier. Ta manière de faire, lui, non. Lui, il a une manière de voir. Il y a des gens, il veut seulement avoir un nom près de quelqu'un. Dès qu'il a un nom, il te montre ton vrai visage. Allons-y. Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi, mais c'est tout. Le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Très bien. Comme ils n'ont pas accepté, c'est comme ça que ça se passe. Ils sont venus décourager les gens. Ils disent non, cela c'est les faux types. C'est quand le diable n'arrive plus à vous avoir, ou bien il a manigancé des choses qui n'arrivent plus à vous avoir, la stratégie c'est de venir salir votre image. Amen. Quand ils n'ont pas pu avoir, vous dites non, on n'est plus avec vous. Nous on est avec l'Éternel, c'est bon, hein, merci. Hein. C'est bon, vous êtes gentil. Hein. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Hein. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais nous là, on ne s'associe pas à vous, hein. On est avec l'Éternel. Vous faites. Comme ils n'ont pas pu rentrer dans leur réseau, parce qu'ils voulaient rentrer, s'infiltrer pour détruire la vision. Ils ont compris, dit non. C'est bon, mais Dieu bénisse, hein. Ça va, hein, merci. Hein. Vous êtes tous gentils. Hein. Mais nous, on ne s'associe pas à tout le monde. Hein. Quand ils n'ont pas réussi à faire ça, ils ont commencé à saluer les noms. Donc quand les gens n'arrivent plus à vous avoir, c'est vous saluer votre image. Alléluia. Ouais. C'est, tout est dans la Bible. Ils sont allés décourager les gens pour dire c'est un faux type. Parce que la plupart des gens qui vous disent que vous êtes faux, vous l'avez un jour rendu service. Amen.
Amen. C'est comme ça. Mais comme leur objectif c'était de te nuire et que tu as vite compris, maintenant eux, ils viennent à nos, ils ont notre manière de voir comment te nuire. On y va. Ils l'intimidaient pour l'empêcher de bâtir. Ils ont commencé à intimider le peuple. Et ils gagnaient à prix d'argent des conseillers pour faire échouer leur entreprise. Oui, c'est indirect. Ils ont commencé à payer. Non, c'est directement avec Divo. Ils ont commencé à payer les gens. Payer les gens. On dit délivrer-les. Empêcher-les. Ils ont monté des gens pour aller détruire. Et ils enfuient ainsi pendant toute la vie de Cyrus. Tout le temps. La sorcellerie. Roi de Perse et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Ils arrêtent là. Ils vont tout faire pour s'infiltrer. Ils aiment bien ça s'infiltrer. Au départ, vous voyez, ils sont gentils. Or, le sorcier, c'est celui qui est ingrat. Il ne sait pas reconnaître. La plupart de vos ennemis aujourd'hui sont les gens que vous avez rendu service hier. Il m'a même fait, il a fait quoi? Mais, hé, tu avais des problèmes au moins, il t'a dit. Quand tu buvais du sable, tu avais l'argent pour boire ça. Le plat de riz qu'il t'a donné, là, la maison où tu as dormi, là, au moins, il t'a dit. Ingrat, tout se paye. Dieu est un Dieu de vengeance. Amen. Il vous vengera un jour. Amen. Il dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Continuez d'attaquer les gens. Ne vous lassez pas. Saül a mis, il a mis 38 ans pour attaquer David. 38 ans. Un matin, il est mort. Mais il a aidé. Vos ennemis là vous aident. Parce que ça vous ouvre les yeux. Tant que vous n'êtes pas d'ennemis, vous ne pouvez pas avoir les yeux ouverts. Amen. Il faut des ennemis. Vous comprenez? Amen. C'est ça qu'il ne faut jamais t'associer à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui à qui tu veux venir partager un projet. Lui, là, tu le connais. Tu la connais. En quoi? Qu'est-ce qui prouve que la confiance, ça se mérite? Quelqu'un qui est prêt pour toi, il va t'appeler. Quelqu'un qui est prêt pour toi, il va toujours te soutenir. Il ne va jamais te lâcher. Les gens sont rusés. Ils sont de la ruse. Ils veulent seulement avoir une position. Le prophète Krasso, là, si moi c'est l'argent que je cherche, mais attends, quel genre je n'ai pas aidé? Qui? Vous comprenez? Mais les gens, ils sont ingrats. Pour les aider demain, c'est le même gars là qui se retourne contre vous. Moi, je n'appelle jamais quelqu'un. Non! C'est les gens qui voient Longchamp. Et puis ils viennent. Sinon, on n'appelle personne. Personne. C'est les gens. On vous le cœur. Et puis demain, c'est vous qui vous levez contre les gens. Faites attention aux gens qui s'approchent de vous. Ils sont venus pour dire on veut bâtir. Faites attention. Nous, maintenant, on fait très attention. Quel acte tu as? Tu as fait quoi? Ils vont venir chercher un camarade et toi. Non, tu sais que chez toi, là, je peux aller dormir. Tu vas aller dormir avec elle, c'est ta camarade. La nuit, elle va commencer à t'embrasser. Ça va devenir ton mari spirituel, en règle. La nuit, pendant que tu dors, elle touche ton cou parce qu'elle a envie de manger. Faites attention. Soyez très prudents. Amen. Ils sont très rusés. Les gens sont très rusés. Comme leur papa Satan. Il est très rusé. Ils vous regardent. Ils ont un objectif à atteindre. Généralement, ces personnes-là, c'est-à-dire, ils ne font rien. C'est toi qui poses les actes. À un moment donné, ils vous regardent. C'est-à-dire, vous-même, vous constatez que la personne est dans votre vie, elle n'a jamais posé un acte positif. À un moment donné, son comportement devient bizarre. Ouvrez les yeux. C'est la personne qui va te détruire demain. Amen. Les gens qui vont vous détruire, ce n'est pas les gens qui sont loin. Et ce sont les ennemis jurés. Mais les ennemis rapprochés, là, ayez peur d'eux. Amen. Amen. Il y a des gens même qui sont là, qui sont vos vrais ennemis, disent-ils.
Mais ils sont vos ennemis. Mais ceux-là, ils n'en valent jamais parce que la sorcellerie, quelqu'un qui te donne à manger, quelqu'un qui t'aime pas, et puis tu te lis comme cette personne. Comment tu vas réussir? Que Dieu nous aide. Amen. Vous comprenez, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous protège. Amen. Contre ces prédateurs-là, vous spirituels, ces gens qui ne réfléchissent comment détruire la vie des gens. Oui, sur la base des informations, ils ont appris qu'ils viennent. Parce qu'ils s'appellent le ministère. C'est pour ça que la plupart aujourd'hui des églises qui tombent, les églises sont devenues les ennemis du coup d'État. C'est-à-dire les gens ils viennent dans les églises. Ah, j'étais ancien là-bas, j'étais diacre là-bas. C'est les gens là qui viennent. Parce que vous cherchez, moi je dis au pasteur maintenant, si vous voyez quelqu'un qui a quitté une église, cherche à connaître son histoire. Amen. Et bien, ne le nommez pas vite responsable. Non, c'est-à-dire que comme tu es bien, mais là-bas, vous étiez là, c'est comment? Non, le pasteur n'est pas bien. Quand quelqu'un dit ça déjà, d'un pasteur, il est peu de lui. Parce que la même chose va se répéter. Il y a des gens dans l'onction, là, c'est gâter l'église. Mm-hmm. Quand ils vont dans l'église, ils gâtent. Non, moi, j'étais dans une première église, c'est tombé. Deuxième église, je ne sais pas, mais les pasteurs sont bizarres. C'est toi qui es bizarre, ça aussi. C'est toi. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Maintenant, on met en prudence. Coronavirus est venu, même on ne se salue plus. Se regarde, on ne se salue plus. Heureusement, venu au bon. Quand tu n'as rien dit, il y a Corona. Je ne sais pas comment mes parents du là là font. Parce que eux, après les saluer, là, ils peuvent faire 30 minutes. Faites attention. Le cœur de l'homme est mauvais. L'homme est méchant et mauvais. Les gens sont animés d'une grande sorcellerie. D'une grande sorcellerie. Que Dieu nous aide. Hein? Amen. Soyez prudents. Soyez prudents. Amen. Non, c'est ma belle-sœur. C'est elle qui va te manger. Amen. Non, c'est mon beau. Hein? Non, non, c'est comme ça. Non, si j'ai fait ça, mon frère, il faut écouter ta condition. Et ils ont écouté leurs conditions. Ils ont dit, non, on ne s'associe pas avec vous. Non. Il y a des choses, non. Si Dieu te marque, n'aimez pas le faire avec ton père ou ta mère. Je ne vous dis pas de les désobéir. Mais la vision, là, ce n'est ni père, ni mère, ni soeur, ni frère. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. On entend m'appeler partout dans l'église maintenant. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Soyez fortifiés. Amen. C'est la méchanceté, la haine, la jalousie qui crée la sorcellerie. Ne parlez pas de votre projet aux gens. Faites en très attention, les gens sont très rusés. Lui qui veut toujours savoir de toi, faites attention à cette personne. Non, c'est mon ami d'enfance. C'est lui qui va te mettre dans ma marmite. Elle a beaucoup de gombos sur toi. Elle est au berger. Toi, tu mets en rouge. Tu manges avec Akiki Abouyama. Que le Seigneur vous aide. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, c'est demain matin, on a un programme de délivrance. Demain, je serai avec vous encore pour le programme. Faites attention à votre entourage. Amen. Quand quelqu'un vient dans ta vie, là, il vient pour quoi? Il faut qu'il vienne t'aider. S'il n'est pas venu t'aider, là, mon cher, c'est Dieu qui aide les gens. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. La personne qui est prête pour toi n'a pas besoin de parler beaucoup. Elle pose des sentiments. Ça fait quoi? Amen. Amen. Il y a des gens qui ne font rien. Que nous, on a fabriqué, on est donné. C'est aujourd'hui qu'on bouche. Leur sale bouche là vous parler. Mais comme Dieu est un Dieu de justice, il va nous justifier, il va nous aider. Amen. Il va nous tuer. Parce que c'est la base du four, tu ne peux pas aller détruire. Vous pouvez construire une église, vous pouvez faire une église. Le seul endroit de ministère de délivrance à Bibo, c'est là. C'est Saint-Péniel. Les Amen. Autres ministères qui existent là-bas, là, ce n'est pas ministère. Amen. C'est égout. C'est trou des rats. Amen. Je suis l'homme moins dans le domaine. Je suis le seul. Ce n'est pas l'homme. J'ai dit la vérité. Ce qui est fait, la personne qui fait ça. C'est à cause de moi, les gens parlent maintenant. Amen. Je suis le seul qui est moins. Vous allez voir ma tournée à quelqu'un. Vous allez voir. Amen.
Personne. Vous arrivez au Gabon, il y a les matières. Vous allez voir. C'est partout. Même en France, ici, un général des sorciers, il a parlé. Il est venu pour parler devant le maréchal. Chacun a son onction. Amen. A dit, le seul endroit de délivrer son Seigneur. Le seul endroit de Donc, on se voit demain matin. Amen. Bonne jeune à vous, bonne jeune, on est ensemble.